Hey, salut tout le monde, c'est Marcus et aujourd'hui c'est une vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Alors là, aujourd'hui c'est pas une vidéo comme les autres parce que je vais tenter avec mon autre compte de troller quelques gens, quelques personnes du machin, du truc. Alors, quelques personnes du. Ouais, de Black Ops 3 quoi. Donc là sur ce compte, on s'est nommé Apocalypse Mickey. Je suis niveau 26, d'où vient mon nom de clan APLX, c'est le nom de Apocalypse. Donc voilà. Voilà. Donc arrêtez de dire. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup de gens en fait qui confondent Apocalypse et Apex. Ils croient que je fais partie, ils croient que j'ai mis mon nom de clan de Apex. Tu vois, le fameux clan où il y a tellement de personnes. Tu vois, je comprends pas, mais voilà. Sur ce clan, tu as tellement de personnes que les gens, ils viennent. Et voilà, ils mettent tellement Apex et tout. Mais tu t'en croises partout. Si tu joues à BO3 et t'as pas croisé un seul Apex, gros, c'est que tu joues pas assez à BO3. T'en croises quasiment tout le temps. Et les gars, c'est l'invasion, tu vois. C'est une putain d'invasion. Je te jure, je sais pas s'il y a ce clan, mais il doit y avoir plus de milliers de personnes. Hein. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent, qui ont le nom d'Apex. Et il y a des gens, tu vois, qui croient. Que ouais, j'ai croisé justement le clan Apex, alors on s'est croisé, ça fait Apex et APLX, donc tu vois, t'as une légère différence. Et t'as le gars qui dit, ah, tu t'es pas trompé, Marcus, t'aurais pas oublié le E au lieu du N. Moi j'arrive, tu vois, et j'ai dit, non, j'ai dit non, c'est APLX, c'est pas Apex, je suis pas un des gars, non mais vraiment, je lui ai dit direct, hein. Je suis pas un des gars qui vient et qui met les noms des clans des autres juste pour se faire de la réputation, hein, mais vraiment. Parce que il m'a dit, ouais, qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai dit, mais attendez, à chaque fois on vous croise tout le temps les Apex, il y a un problème au bout d'un moment. Il y a Apex ici, Apex ça, Apex ci. Même gros sur. C'est quand même bizarre. Mais même sur World at War, tu peux en trouver des Apex. T'as Apex sur World at War, Apex sur BO1, Apex sur BO2, Apex sur MW3, Apex sur BMW2, Apex sur BO3, Apex sur Advanced Warfare. Sur Ghost aussi, il y a Apex. Et sur BO3, donc je suppose qu'il y a sur Infinity Warfare et World War 2, tu vois. Au bout d'un moment, je crois que les gars, ils sont des milliers. Ils sont des milliers, les gars. Ils sont là et ils sont milliers. Je sais pas, c'est le gars, limite, il s'est fait une population, ça fait une ville, quoi. C'est sérieux, t'as tellement d'Apex. Après, je juge pas, je suppose qu'il y a les vrais gars de Apex, mais t'en as. Ils mettent Apex le nom d'un clan, juste pour faire, voilà, pour faire montrer que ouais, ils sont dans le clan, alors que ça a jamais été le cas. Tu vois. Tiki coup de merde. J'ai même vu des gens qui mettaient mon nom de clan parce que juste que j'ai fait beaucoup plus de séries de victimes. Ça, ce sont les Tikikus qui viennent et puis c'est bon, ils les ont trouvés meilleurs, alors ils vont avec les meilleurs et puis jusqu'à ce qu'ils trouvent meilleurs, quoi. Donc, j'y vais. Moi, je fais un clan, mais je fais un clan sérieux, je fais pas un clan. Et j'ai pas besoin d'être des milliers pour faire le clan. Moi je fais un clan sérieux, tu veux venir dans mon clan, bah tu viens dans mon clan. C'est pas pour venir pour barrer, hein, parce que moi je te compte et tout dans le clan. On est. Voilà. Là pour l'instant on n'est pas beaucoup parce que j'avais dit à tous les gens d'arrêter de ne plus jouer sur le compte Apocalypse. Justement parce que j'y jouais plus dessus. J'avais pas la place à ce moment-là, donc voilà. Mais on était quand même pas mal nombreux, on était déjà trois là, trois Apocalypse, et t'en avais un qui comptait plus Beaver12 alias mon frère, parce que je suppose que vous savez, hein, voilà, on va pas se mentir, beaucoup d'entre vous le savent, c'est mon frère, hein. On va pas cacher le jeu, donc on est 4, 5, tu vois, on avait déjà commencé à monter quand même une équipe, tu vois. On avait commencé quand même à monter une équipe.
sur carrément, on avait monté une team, on était déjà 5, presque un joueur, on était une équipe, quoi, tu vois. Et voilà, et on avait quand même pas. Et c'était une team zombie qui nous manquait, tu vois. Mais sans plus, hein, j'ai envie de te dire, sans plus. Moi, je fais. Moi, je fais une team zombie et une team multijoueur. Donc, voilà. Après, la team, ça sera plus. Pour zombie, ça sera un peu sur tous les Call of. Et pour le multijoueur, ça sera pas. Tous les Call of, ça sera sur BO3 éventuellement. Ça sera sur des Call of sur BO3 déjà. Bon, ça sera sur des Call of. C'est ce que je peux te dire. Lequel, j'en sais rien. Je sais qu'il y aura BO3 multijoueur et la team en multi, et puis c'est tout, je pense. BO2, il n'y a que des modeurs, alors tu peux pas jouer. BO1 aussi, t'as quasi que des modeurs. MW3 aussi, MW. Voilà, donc je vais pas te mentir, mais. Bon, encore sur BO2, je pense que je ferai une team aussi Apocalypse. Donc là, on reste en vue du sujet. On est là pour essayer de troller des gens, tu vois. Et de faire croire aux gens que nous sommes débutants et qu'on est des grosses merdes. Tu vois? Là, ils m'entendent pas parce que je suis en muet, je suis pas con en même temps. Mais bon, allez, c'est parti. Bon. C'est bon. Hey, salut tout le monde, c'est Marcus. Et aujourd'hui, c'est une vidéo. C'est une vidéo spéciale Black Ops 3. Vous étiez très nombreux à la compagnie à me demander une vidéo sur Black Ops 3. Très nombreux à me demander des vidéos sur Black Ops 3. Et salut tout le monde, c'est Marcus. Et aujourd'hui, c'est une vidéo sur Black Ops 3. Vous étiez nombreux à me demander une vidéo de Black Ops 3, même si j'étais une grosse merde. Parce que c'est un jeu que vous aimez beaucoup. Donc voilà, donc je fais une vidéo sur Black Ops 3 comme promis. Sauf que je suis pas. N'attendez pas une game de professionnel. Donc voilà. Je suis niveau 26, hein, donc. Comme par hasard, je tombe sur une game où il y a pas mal de prestige, donc je vais me faire encore. Je vais me faire encore plus défoncer. Bonjour. Il n'y a que des prestiges, je vais me faire éclater quoi. Tu penses que je suis qu'une grosse merde. Je vais mettre périphérique. Je vais mettre périphérique sortie pour parce que comme ça la discussion est un peu plus intéressante, non? Donc voilà, hein. T'en as un déjà, il a mordu à l'hameçon, il m'a dit ouais, t'es pas si nul que ça, Marcus, machin. Donc voilà. Bon, les gars, misez pas trop sur moi. Misez pas tout sur. Enfin, je suis qu'une grosse merde, hein, alors. Voilà.
tu m'as même pas vu. Oh, un tir dans la tête, les gars, un tir dans la tête, c'est bon ça. Quand tu commences une partie et ton premier kill, c'est un tir dans la tête, c'est que c'est bon signe. Le gros, mais laisse tomber. Et la Cuda est plus la merde, hein. Vas-y, approche, je t'en prie. Oh putain! La grenade qui a mis 10 ans pour exploser, putain. Putain, je suis nul, je suis. Mais gros, mais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde là quand même. Attends, je suis en train de lui tirer dessus, je lui vide mes balles. Et lui, il est là avec son vieux fusil à pompe de PD là, et il me tue. Tirer dessus. Oh là là, Marquis, il est chaud. Ça c'est pas beau les amis, si ça c'est pas beau, si c'est pas magnifique, qu'est-ce que c'est? J'ai un colis stratégique. Je pose pas maintenant. Je préfère quand même finir mes séries de victimes et tout, tu vois. D'envoyer mon colis stratégique parce que j'ai des chances de me refaire un drone. Oh là là, mais quel pied que je suis. Quand t'as vu ça? Comment j'ai fait pour louper ça? Là, par contre, il faut que je pense à regarder où je suis avant de lancer un colis quand même. Drone de bouillage. Boum. Derrière toi. C'est bon.
les vois plus. Je vais envoyer un drone. D'accord, j'ai besoin d'un drone par ici. Virage en cours. Musqué abattu. Encore 25 points et j'ai mon foudroiement. Drone, vérification de mi-parcours effectuée. C'est bon, il est mort. Menace abattue. Colère d'une prête pour intervention. Soldat éliminé. Merde, il y en a pas mal qui ont resté en face. Non, je commence à bien m'amuser pourtant. Ouais, j'ai encore eu tous mes petits stricts, alors j'envoie un petit drone. Ah non, il a détruit ma série. Yelusine. On est en tête. Gardez l'avantage. Guardian. J'ai un gardien. Oh les gars, il me reste 3 kills pour atteindre les 40 kills. 1. Prophète à terre. 2. Oh putain, tu m'as fait peur. Bon, vous pensez que je devrais leur dire que c'est un troll? Parce que, pas de mentir, mais je vais te prendre des signalements dans la gueule. Mais vraiment, je pense. Bon, allez, après le classement. Putain, 5 de ratio! 42,8, 5,25 de ratio. Jamais, pour être franc, je n'ai jamais fait un score pareil. Jamais fait un ratio pareil. Je vous le promets, c'est la vérité. Là, c'est pas un troll, c'est la pure vérité. Ouah, putain.
J'ai fait une super partie, je trouve. Bon, pour ceux qui sont français, bon, pour ceux qui ne sont pas français et qui ne comprennent pas forcément, alors je vous explique. Je suis pas modeur, hein. Je suis pas modeur, c'est la vérité. Je fais une vidéo sur YouTube en troll, en fait, parce que j'ai un autre compte, mon vrai compte. Ça, c'est mon deuxième compte. Mon premier compte, il est prestige 2, niveau 55. Donc voilà. Et là, j'ai pris un autre compte qui est niveau 27 pour faire un troll parce que voilà, c'est des gens voulaient faire que je fasse des trolls. Alors j'ai fait un troll disant que j'ai pris mon ancien compte et disant faire ci que j'étais débutant alors que ce n'était pas vrai. Donc voilà, je ne suis pas modeur, je vous dis la vérité. Vous pouvez aller voir ma chaîne si vous voulez, Marcus et compagnie. C'est strictement vrai. Bon, elle n'est pas postée là, évidemment, puisqu'elle n'est pas en direct. Mais voilà.